Connaissez-vous le point commun entre une télécommande, un éplucheur à légumes et le SMS? Ils ont été inventés pour des personnes handicapées et sont utiles à la société tout entière, c'est le credo d'Handilab. En juillet 2024, la Seine-Saint-Denis va accueillir un laboratoire d'invention qui facilite le quotidien de personnes en situation de handicap mais qui sont, au final, bénéfiques à tous. On veut partir d'idées piochées à gauche et à droite qui ont des destinations très précises mais qui pourraient aussi servir au plus grand nombre, Stéphane Houdet, champion de paratennis et ambassadeur de Handilab. Scientifique, entrepreneur, collectivités territoriales, représentants d'associations, étudiants, viendront expérimenter dans ces 15 000 m² ouverts au public. Handilab sera situé entre le carrefour Pleyel, le village olympique et le Stade de France et desservi par la nouvelle ligne 15 de métro, accessible.